À Errachidia, le premier endroit auquel je rends visite est le souk. Ce n'est pas le jour du marché et la plupart des halles sont vides. Certains marchands restent malgré tout ouverts et m'attirent pour acheter leurs produits. Chaussures, vêtements, bijoux, épices et outils, ici on trouve de tout. Et pas une chose dont vous n'avez pas besoin, d'après les vendeurs bien sûr. Mon coin préféré reste celui des fruits et légumes. Dans cette partie du monde, on a l'avantage de profiter aussi bien des bons produits de chez nous, mais aussi de fruits et légumes exotiques. Pour le moment, c'est la période des pastèques. À 30 cents le kilo, je me fais vraiment plaisir. Comme ça, je monte pour internet. Attention. Chokran. La ville, bien qu'elle ne soit pas trop grande, reste mouvementée. Les voitures défilent dans tous les sens et parmi elles, les petits taxis intra-villes dont je vous ai déjà parlé. Chaque ville a sa couleur associée. À Errachidia, c'est le bleu. Mais la ville, c'est aussi plein de bonnes choses que l'on peut acheter au bord de la route. Les jus de fruits fraîchement pressés sont un régal.
préféré, peu ordinaire, le jus de citron et canne à sucre. Café, l'ambiance reste très calme. Ici, pas d'heure fixe. Pour boire un petit noir, on y vient dès que l'envie se présente. Bien évidemment, on s'y fait vite des amis. La nuit tombée, et Rachidia ne s'endort pas, mais bien au contraire. La chaleur tombée, les gens commencent seulement à apparaître dans les rues. Mais pour moi, la journée se termine. Demain, il faut poursuivre la route.